jambe de sapio tombé et par rapport avec échange de tir qui t'a fait entre eux-mêmes avec la police dans la zone Thomasin, dans la zone La Boule. Et puis, j'ai deux agents de SAP qui jouent l'arrestation au même moment, dans le même moment, parce qu'ils ont obtempéré par rapport avec la police n'était pas estimé l'ordre pour descendre machine qui était là. Et puis, de retour, auditeur radio éclairé, et dans le pire coup de zame capturé là, dans le moment où il est là, et il y a plein de zame qui est capturé, et puis gaz lacrymogène, et ça va. Il faut nous dire que nos jeunes canouillés, c'est que il y a des petits mouns qui habitent dans la zone ça, qui habitent dans le Kaila, et il faut nous dire que la vie moun est en danger par rapport avec petits mouns, petits bébés, qui eux-mêmes sont trouvés dans la zone ça, et tout est complexe. Alors, dans une zone complexe et l'ouverture, la police a bombardé les gens et de manifestants avec un coup de gaz lacrymogène. Il faut nous dire que des petits mounes, des petits bébés qui dans une zone, la vie est en danger par rapport avec gaz là, ils sont pas capables et respirer sans gaz là. Et bon, c'est pas la voilà là, et sans gaz arrivé sur moi. Donc, je suis obligé d'abriter moi parce que c'est suite à quand je ne vais pas tomber. Alors, qui prend balle, même si je ne vais pas mourir, je vais arriver sur les lieux, dans une maquette, dans une rue d'Arguin, eh bien, je ne vais pas prendre balle. Eh bien, c'est une moto qui passait, une moto et boxeur qui passait, avec deux jeunes garçons et sous moto. Ils ont tiré jeunes garçons. Hein, et donc, ça veut dire que un fait est clair. Et est-ce que c'est un règlement de compte? Nous ne connaissons pas. De quoi s'agit-il? Nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est un cas isolé? Nous ne connaissons pas. Mais un fait clair, c'est que il y a un jeune garçon qui tombe en bas, alors qui prend balle. Et dans le rue d'Arguin, la police débarquait, courut et demandait au chauffeur moto pour aller avec les jeunes garçons à l'hôpital. Donc, et moun nan population qui t'a manifesté mécontentement, et bien, ils ont été obligés, et mauvais coucou, mais il y a pile témoignage, de côté moun nan population qui s'aime connaître, l'aime dérivé sérieux, qui s'aime connaître, c'est pas la police qui tire, jeune garçon, mais plutôt, deux mecs sous moto avec cagoule, et bien, qui ouvre coup de zam, sous jeune ganja qui prend balle et la police est arrivée sur les lieux rapide pour être capable de demander support à des mounes au niveau de la population pour capable transporter jeune ganja aller l'hôpital. Donc il faut nous dire que moun la population qui a manifesté le contentement face avec le gouvernement Ariel Ria qui a mauvais coucou et de là où t'as pas tiré coup droit sur la police. Mais faut me dire que en pile là-dedans, c'est témoigné que c'est pas la police qui tire jeune garçon, c'est plutôt deux jeunes garçons qui sous moto, une moto boxeur qui tire, qui avec cagoule qui tire jeune garçon là qui tombait devant maquette là. Et ça qu'on a posé question, est-ce que c'est pas règlement de compte et pas problème qui posé non mitan même mouvement ça qu'a fait là, des monde qui veut régler affaire eux, des monde qui a problème avec monde qui a profité dans même occasion mouvement lever camper ça profiter de ça ouais et ben fait régler bagaille pas eux. Donc la prudence est de mise à tous les niveaux, bon côté monde qui a manifesté faut connaître et ben dans mouvement ça capable bien pile en pile dommages collatéraux, des gens qui n'ont pas rien à voir avec ce qui a passé là, mais qui sont capables de victimes. Donc, je demande à ce que la police prenne disposition, parce que c'est deux forces publiques qui ont gagné, et la police avec l'armée, que la Constitution reconnaît qui a fait le travail et qui reconnu l'utilité publique. Donc, ça veut dire que je dis à la, par rapport avec la situation politique qui posait là, côté en pile de la population a demandé Ariel Henry, pour le bail vague, qui des pouvoirs et des groupes politiques qui ont même affiché mécontentement avec Ariel Henry. Maintenant, qui s'est passé au coup de journée 7 février, ça, en pile monde, levé campé pour demander à Ariel Henry et foutre la colle. Mais on a rappelé tout, Pierre Maté Dantou, Galette,
Moi, je fais la vie où on aide à travers toute région métropolitaine dans la zone d'Elma. L'aime passe, je quitte Delma, je quitte Delma, je quitte Delma. L'aime vivre en dedans d'Elma. Pas gagné, en dedans d'Elma. Elle dit en dedans d'Elma, en dedans d'Elma 33 en bas, en dedans d'Elma et 75 en bas, en dedans, que signe pas gagné, et rien à signaler, et c'est comme si de rien n'était. L'arrivée dans la zone, ça n'a pas gagné, pas gagné, pas gagné, pas gagné, situation de tension, et machine à circuler, même là, pas gagné pour machine, mais on t'est constaté, eh bien, des taxis, et café à Souta. Alors, faut que nous disions que zone ça et Gérald Bataille, dérivé Gérald Bataille, il y a un monde qui a voyagé, qui a sorti d'Elma, qui a sorti de Pétionville, il est capable de arriver dans zone ça pour aller prendre l'avion sans problème, sans grosse difficulté. Non, ça, moi-même, je constate. Mais si vous passez, sorti d'Elma 95, pour entrer dans Elma 95, pour aller tomber dans Elma 75, ou pas aucun barricade, et t'as qu'on dit où, et sinon que, dans Delma 95, dans l'entrée de Delma 95, hein, et bien, il y a un chaos qui a boulé, il y a un barricade. Mais l'arrivée en Delma 75, en Delma 95, alors en Delma et 33, et tout premier RIA, pas gagné rien, rien à signaler, et mais on dit que marché qui n'a géré le bataille a fonctionné comme ça doit, et même là, et pas gagné et la grande foule hein, qui vient de faire et vient acheter bagages pour fonctionner. Mais faut que nous disons que gagner quelques bureaux et par exemple bureau Mokash qui l'ouvre, mais on va joindre des bureaux transferts qui l'ouvre. Bureau transfert fermé, mais on joindre un bureau ou un deux bureaux et Mokash qui l'ouvre. Maintenant ouvre alors et ça va pas aller tourner quel monde avec bonne bolette yo et yo en pile là de fermé, mais nous on a pas là yo plusieurs banques bolettes l'ouvrent correctement. Dans même Pétionville, l'entrée dans Delma 64, en Delma 64, eh bien, ouvre un jeune garçon qui a joué football dans route là, et il faut bifurquer sous côté. Donc, l'arrivée en deux Pétionville, dans l'entrée marché à Colonie, eh bien, là-bas, la balle gâtée, côté caoutchouc boulé, population levée, campée, pour capable de demander à Ariel Henry sur la colle, sous pouvoir, de façon à ce que l'autre gouvernement qui prend maillette là, donc je dis à là, et c'est pour sa situation présentée, et à Pétionville, c'est la tension qui monte, mon absence un peu partout, en dans Pétionville, et côté Yabral, eh bien, il y a manifesté mécontentement face à gouvernement en place là, qui donc, et qui m'a eu côté Mounio Mandé, n'est-ce pas vrai, pour Ariel Henry, respecter l'accord de signé, 7 février 2022, 7 février 2022, nous rappelons, Ariel Henry avec plusieurs partis politiques. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Comme Pierre Martin l'a bien souligné ce matin, eh bien, Ariel Henry n'est pas la seule personne responsable au niveau de l'échec, hein, si l'on peut le dire ainsi. Ariel Henry, le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, le neurochirurgien, n'est pas le seul responsable parce que il était un ensemble de partis qui étaient signataires de l'accord du 21 décembre 2022, qui donc, je dis à là, s'il faut parler de l'échec partagé entre le pouvoir en place et ses partis politiques signataires de cet accord, mesdames, messieurs. Eh bien, et Esaïe, donc, reportage parfait. La police est bel et bien présente bien matin. La police est bel et bien présente dans tous les artères de la capitale, spécialement à Pétionville. Et comme on dit, c'est la tension qui monte, mais dans certaines zones, et c'est comme si il y a rien de problème, il y a aucun problème. Et c'est comme si il y a rien, non série de zones t'as Clercine. Dans une série de zones, et Cafoy, dans une zone où l'on peut entrer à l'aéroport international. De façon à ce que l'autre gouvernement qui prend maillette là, donc je dis à là, et c'est pour sa situation présentée. Et à Pétionville, c'est la tension qui monte, mon absence un peu partout, en dans Pétionville, et côté Yabral, eh bien, il y a manifesté mécontentement face à gouvernement en place là, qui donc. Et qui m'a eu côté Mounio Mandé, n'est-ce pas vrai, pour Ariel Henry, respecter l'accord que signé 7 février 2022, nous rappelons,
Ariel Henry avec plusieurs partis politiques. Et c'est ça qu'il faut rappeler, comme Pierre Martin l'a bien souligné ce matin, eh bien, Ariel Henry n'est pas le seul, n'est pas la seule personne responsable au niveau de l'échec, hein, si l'on peut le dire ainsi. Ariel Henry, le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, le neurochirurgien, n'est pas le seul responsable parce que il était un ensemble de partis qui étaient signataires de l'accord du 21 décembre 2022, qui donc, je dis à là, s'il faut parler de l'échec, échec partagé entre le pouvoir en place et ses partis politiques signataires de cet accord, mesdames, messieurs.